Zaï que la magie y a opéré et que vous n'avez qu'une seule hâte, c'est d'en voir davantage. Eh bien, malheureusement... Si, eh bien non, malheureusement, il est temps peut-être pour une petite histoire. Eh bien, sachez que je me sens vraiment dans une... Oh, c'est très très délicat à vous annoncer. Je ne sais plus quoi faire, vous savez où j'en suis. Voilà, comme disait mon maître, tout a une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Du chocolat. Un mouchoir usagé. Un bâton apéritif. Bien, Ticopia, c'est une île du Pacifique Sud-Ouest, extrêmement petite, minuscule. Elle est à peu près 16 km². Il s'agit de jouer gagnant-gagnant. C'est-à-dire de développer des rapports mutuellement profitables avec les différents partenaires de l'entreprise. Réussir ensemble devient un engagement auquel chacun doit souscrire par conviction et non par simple obéissance. L'imaginaire de la réussite conduit chacun à vouloir être le meilleur. On ne se satisfait pas d'être bon et de faire bien son travail. Il faut le faire mieux. Gagner des pourcentages sur les coûts de production, obtenir une implication totale. Excuse-moi. Merci. Non, je vais arrêter. C'est ainsi que ça se passe. Je demande de rasseoir, monsieur. Ne soyez pas complice de cet acte, de cette prise de pouvoir. Je vais rendre les chaussures et pour rasseoir, je vais demander à toutes de prendre vos places. Anne, s'il te plaît. Voilà, une des spectatrices a choisi de parler, mais. Et en fait, ce matin, quand j'ai pensé à ce que j'allais vous raconter, bien sûr, vous me manquez tous. Bien sûr, j'aurais envie de vous embrasser, j'aurais envie de vous prendre dans les bras. Mais en fait, la chose dont j'aurais le plus besoin maintenant, ça serait de... Ça va peut-être vous sembler un peu délicat, mais ça serait de pouvoir faire un feu. À ton bureau en haut d'une tour, d'où tu vois la ville à l'envers, d'où tu contrôles ton univers. Tu passes la moitié de ta vie en l'air.